Et en fait, le truc, c'est ça, c'est quand vous-même qui êtes porteur du projet de développement humain d'un territoire, vous dites, bah là, il ne faut pas y aller, c'est dangereux. Il y a un truc qui ne passe pas, quoi. Il y a un truc qui ne passe pas. Et donc, voilà. Et c'est pour ça que Denis m'a invité, parce qu'il m'a dit, tiens, en fait, que j'ai le théâtre dans les quartiers, je vais mettre le cinéma dans les quartiers. À la Réunion, j'étais partenaire du festival. Je trouve que mon meilleur ami, c'est un des gros producteurs de cinéma. C'est vrai que j'ai fait un cinéma. C'est lui qui a fait Iron Man, qui a fait Twilight, qui a fait Dans le cinéma. Et on allait bien avant. Et en fait, ça m'a bien passionné un peu pour le cinéma. Et donc j'étais partenaire du festival du film de la Réunion tant qu'il existait. Et j'ai eu la chance d'aller en fait dans une maison de retraite en prison avec Nathalie Baye qui était l'artiste. Et c'est hyper intéressant de voir comme des gens qui regardent la télé ou un écran, quand c'est dans des conditions où il y a des gens qui comptent, qui leur accordent du temps et du respect pour leur parler de ce qui les passionne. Ils changent complètement de regard et s'investissent différemment. Et c'est marrant parce que le jour, j'ai vu que Zao de je sais plus quoi, la chanteuse, je suis nul en chanteur, c'est pas les années 70. C'est pas les années de Soulard. Zao, c'est Zao de Zagalon. Elle a eu un Elle est allée à la sortie de sa prestation au JO, elle est passée une journée dans un EHPAD. Elle a donné un concert à Lille. Et c'est hyper intéressant de voir comment les gens passent de amorphe et inerte dans un environnement où finalement ils attendent une fin qui savent arriver à un moment ou à un autre, à s'intéresser à voir. Il y a de la réactivité. Il y a des choses, il y a des passerelles qui se créent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment... Moi, mon sujet, c'est comment montrer aux gens qui sont dans les quartiers qu'ils ont la même valeur que les gens qui ne sont pas dans les quartiers. Et que le quartier, c'est pas une fatalité. C'est ce que tu fais du quartier. Voilà, il y a des gens qui ont vachement bien compris ça. À Mortenol, par exemple, il y a René Chasselas qui a donné des choses qui sont hyper intéressantes. Il y a des choses qui viennent dans les quartiers. Et puis c'est surtout, moi c'est hyper intéressant aussi parce que finalement quand t'es blanc, que tu sors pour 3 minutes dans un parc HLM, bah, forcément dès que tu sors ta voiture, il y a des gens qui viennent voir. Tout le monde fait ça. Et donc, il y a des gens qui font quoi? Bah, j'ai rien à voir. Ça, il n'y a pas dans la résidence. Ah ouais.